sommes réunis aujourd'hui pour une conférence sur l'agriculture durable, qui commence d'ailleurs, comme voie vers une croissance inclusive écologique des zones rurales du Maroc. Donc l'objectif, c'est de montrer que préserver l'environnement et les ressources naturelles n'est pas une contrainte, mais au contraire un moyen d'augmenter les revenus des agriculteurs et de valoriser leur production, notamment à travers la certification qui va être débattue, thème qui va être débattu aujourd'hui. Et nous allons également voir comment intégrer la durabilité des ressources dans les projets agricoles et notamment le financement. La banque est toujours aux côtés des petits agriculteurs, donc comme vous l'avez dit, à travers de l'éducation financière, de la formation à la gestion. C'est le centre d'études et de recherche du Crédit Agricole du Maroc qui s'occupe de cette question. Pour notre part, au niveau de la Fondation, nous promouvons l'agroécologie et les pratiques biologiques auprès des grands agriculteurs et des petits agriculteurs, car c'est l'avenir de l'agriculture au Maroc.